Olá, meus amigos. Bonjour, mes amis. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse tous. L'Esprit du Dieu Très-Haut seja com soit avec tous. Tous. Literalmente tous. Os que participam, se que participam desta live, desse mensagem, seja agora, que se soit maintenant, pouco, que se soit tout à l'heure, não importa. Peu importe. Tous, tous ceux qui participent de ces messages soient bénis. Cela veut dire que la bénédiction, la bénédiction de bénédiction, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur nous et nous fait comprendre, comprendre sa parole. Lorsque vous recevez la parole de Dieu et vous comprenez, vos yeux spirituels sont ouverts et là, vous trouvez courage, force, vous trouvez pouvoir pour obéir à cette voix, à cette parole. Et alors, vous allez récolter le fruit de votre obéissance à cette parole, à cet entendement, à cette compréhension de la volonté de Dieu pour votre vie. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Le Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, soit avec tous, au nom de son Saint-Fils Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Alors nous allons à la méditation. Je demande que le Saint-Esprit vienne illuminer notre entendement pour que nous puissions comprendre sa volonté. A rien ne sert que nous lisions les Saintes Écritures et ne pas les comprendre, n'est-ce pas? Alors nous devons comprendre pour qu'alors nous venions à récolter le fruit de ses bénédictions, le fruit de ses conseils, de sa sainte parole. C'est comme le propre Dieu a dit: mon juste vivra par la foi. Mon juste, cela veut dire, aura la vie par la foi. Mais comment avoir foi? La foi vient du fait d'entendre la parole de Dieu. Mais pour entendre la parole de Dieu, c'est nécessaire avoir des oreilles. C'est nécessaire avoir des oreilles. Mais pas ces oreilles, mais des oreilles spirituelles, pas des oreilles charnelles. C'est spirituel. Pour cela, Jésus a dit: celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit. Alors, le Saint-Esprit, je sais que le Seigneur est en train de nous assister. Le Seigneur est avec cette créature qui nous assiste et avec moi. Alors, aide-nous à communiquer ta volonté pour chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Bien. Le thème aujourd'hui que je vais traiter, c'est de justice et des injustices. Justice versus injustice. Que beaucoup de personnes, probablement, beaucoup de personnes que participent de ces messages soient froides spirituellement, soient comme cette bougie qui est presque en train de finir l'étincelle, juste un peu de feu
est en train de s'éteindre. Est en train de s'éteindre. A vela tá se apagando. E o que que acontece? La bougie est en train de s'éteindre. Et qu'est-ce qui arrive? Diminuindo da vela, selon le feu va diminuer de la bougie. Il y a les ténèbres, l'obscurité assim, qui possède cette ambiance. Sim, c'est avec les personnes lorsque notre foi então, elle s'éteint. As trevas alors, vão assumindo les ténèbres assume peu à peu, de la même façon comme la lumière elle diminue, les ténèbres vont en train d'assumer son pouvoir d'obscurité. Alors, mon ami, beaucoup de personnes sûrement doivent être en train de vivre une injustice, spécialement à l'intérieur d'un lieu, d'une communauté qui devrait prioriser, garder, se garder des injustices. Alors les personnes se convertissent et restent dans l'église, croient dans le pasteur, l'ouvrier, l'évêque, croient dans la parole de Dieu, est là, en train de lutter contre leurs problèmes. Et tout d'un coup, dans l'église, surgit un ennemi, une personne que vient lui faire du mal, qui cause tristesse ou parler quelque chose qui ne devrait pas être parlé. Et à cause de ça, vous, peut-être vous êtes froide dans la foi parce que vous avez laissé le feu. Vous étiez une braise à l'intérieur de l'église, mais vous êtes sorti de l'église. Alors, votre braise s'éteint parce que vous êtes resté seul. Et elle est en train de s'éteindre. Alors, vous participez de ce message en train de chercher des réponses, cherchant justice. Ce n'est pas possible, ça. Comment c'est possible? À l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus, que nous passions par des injustices. Parce que dans ma maison, mes êtres chers font des injustices avec moi. Mais cela, c'est naturel. Parce que nous savons qu'ils ne sont pas convertis. Mais à l'intérieur de l'Église, dans un lieu saint, sacré, souffrir ce type de choses, persécution, diffamation, non, cela, je n'accepte pas. Très bien, mon ami, mon ami. Je veux parler et j'attends que le Saint-Esprit m'aide à parler avec vous qui êtes en train d'être injusticiés, lésés, spécialement dans l'Église où vous avez été déjà lésés. Peut-être vous êtes à l'extérieur de l'Église. C'est une braise qui est en train de s'éteindre. Il reste encore un peu de chaleur, de foi en vous. Il reste encore, pour cela vous êtes là. Alors, voyez bien, Dieu ne forme pas des serviteurs et servantes pour lui, que soient faibles, débiles, émotifs, n'importe quelle chose, à ouvrir la bouche. Vous savez comme un enfant, l'enfant, vous savez de ça. L'enfant, s'il y a un adulte proche de lui et elle tombe par terre, elle trébuche, elle pleure, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un adulte qui est en train d'assister. Alors, elle ne s'est pas produit quoi que ce soit, mais elle fait de cette chute. Elle fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'elle veut appeler l'attention de l'adulte. S'il n'y a personne, elle est tombée. Au même moment, elle
secoue la poussière et elle part. Elle ne pleure, ne fait rien. Mais s'il y a quelqu'un, elle veut réclamer, elle veut lamenter, elle veut pleurer. Enfin, vous savez la chose. Alors ainsi, c'est vous, mon ami, qui avez été blessé à l'église, où vous attendiez, vous n'attendiez jamais ce que s'est produit. C'est produit avec vous, l'injustice. Je veux vous parler par propre expérience. Je peux parler. J'ai l'autorité pour parler ce que je suis en train de parler au sujet de l'injustice. Parce que j'ai été lésé. J'ai été victime d'injustice. Et je vais continuer à être victime d'injustice. Parce que je vis dans le monde d'injustice. Je vis dans un monde de mensonges. Ce monde, c'est un monde de mensonges. C'est un monde de calomnie. C'est un monde de diffamation. C'est un monde de glamour. Faux. C'est un monde chiant, satanique, diabolique. La Bible parle que le monde est sous la puissance du malin. Nous vivons que vous soyez scellés, baptisés avec le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, ou pas, vous allez souffrir des injustices. Oui, vous allez. Pour toute votre vie, jusqu'à la mort, ou meilleur, jusqu'au jour que vous allez recevoir la promotion. Vous allez être lésé. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la vérité. Et lorsque vous que vivez dans la vérité, vivez dans le monde où prévaut le mensonge, comment allez-vous vous défendre? Il n'y a pas comment. C'est beaucoup de mensonges. Vous vous défendez d'un mensonge ici, surgit une autre de l'autre côté. Vous vous défendez ici, il y a une autre devant vous. Il y a une autre derrière, en fond. L'enfer est en train de bouillir des mensonges. Mais vous, vous êtes honnête. Vous êtes sincère, vous êtes vrai. Mais vous êtes encerclé. Nous sommes encerclés. Nós estamos cercados du monde, de l'ambiance menteur. À partir de votre propre maison, vous savez de cela, la famille, les êtres chers, Jésus a affronté ça, ce même problème. Jésus, se vous lisez les évangiles avec attention, vous allez découvrir que Jésus a été tenté beaucoup de fois. Il a été sévèrement affronté par le religieux. C'était l'Église. Aujourd'hui, c'était l'Église. Mais à l'époque de Jésus, était le religieux. Les Juifs, les pharisiens, les hypocrites, pour cela qu'il a dit. Faites attention du levant des pharisiens, levant, parce qu'ils disaient une chose, ils faisaient une autre. Jésus est resté en colère, ennuyé, nerveux, on peut dire comme ça, lorsqu'il est arrivé au temple et il a trouvé le mercenaire qui faisait de la maison de son père un commerce, un commerce, un marché libre. Et alors, il a pris un fouet et il a chassé les vendeurs de l'intérieur. Alors, c'est la situation. Jésus a affronté les injustices. Il avait guéri un aveugle de naissance. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Un aveugle de naissance, il a guéri personne, ou meilleur, peu ont reconnu cela. Mais les juifs, les religieux, ont voulu l'interroger, ont voulu l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il a guéri, il guérissait le jour de sabbat. Sabbat, les juifs, aujourd'hui, les juifs, ni même
appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour monter ou descendre. Il ne peut faire ça. Sont si rigoureux, sont incapables d'allumer la lumière. A observação Telé, da lei on peut dire, flexível, l'observation de la loi inflexible, la loi religieuse, la loi des hommes. Jesus enfrentou esse problema. Jésus a affronté ça. Quem segue Jesus? E nos afrontou assim. Celui que suit Jesus tem que estar preparado. Celui qui marche dans les empreintes de Jésus doit être préparé pour souffrir. Ne va pas souffrir tel comme il a souffert, mais va souffrir des injustices. Alors je n'attends pas, même en train de propager le message de vie, même prêchant l'évangile, même donnant ce que Dieu m'a donné, cherchant donner ce que Dieu m'a donné pour toutes les personnes, je n'attends pas des fleurs, je n'attends pas un chemin pur, non, j'attends même des choses inverses, parce que je suis encore dans cette maison d'argile, que c'est mon corps, je suis encore ici. Paulo falou, et cela a été la raison pour laquelle Paul a parlé, Paul a dit, pour moi, mourir, pour Dieu, c'est dormir, s'endormir. Pour moi, m'endormir ou mourir, c'est gain. Pour moi aussi, c'est gagner. Pourquoi qu'est-ce que j'attends de cette vie? Quelle est mon espérance de ce monde? Je n'ai pas aucune expectative de ce monde parce qu'il n'a rien à me donner. Zéro. Le monde n'a rien à me donner. Alors, je suis déjà ennemi du monde comme le monde est mon ennemi. De ma personne, parce que je sais que vous, en enlaçant la vérité, vous devez affronter le mensonge chaque jour. Et le monde aime le mensonge. Le monde vit de mensonge. Le monde vit d'injustice. C'est ce qui existe le plus dans ce monde. C'est les injustices. Et toujours, toujours, ces injustices vont d'une façon ou d'une autre naqueles que vivem na justiça. Toucher dans la vie de ceux qui vivent dans la justice. N'ayez pas de doute. Principalement, ceux qui vivent dans la justice. Ceux qui vivent dans la vérité. Alors, mon ami, ne restez pas en train de pleurer, pensant que tel ou tel a été injuste avec vous. Parce que vous êtes en train d'être injuste avec d'autres personnes, oui ou non? Parlez la vérité. Je ne peux pas rester en train de réclamer, lamenter ce que tel a fait avec moi, parce que moi, sans vouloir, sans désirer, je finis par commettre des injustices, parce que je suis homme, je suis chair, je suis argile, et argile, vraiment. Cette argile, bien malheureux. Alors si moi, je suis injuste, je vis dans un monde injuste et je suis victime d'injustice, comment moi je vais survivre? Ah, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et même ainsi, nous souffrons des injustices, calomnies, etc. Et vous savez ça. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit et voulant résoudre ces problèmes, montrant pour nous que cela c'est inévitable, il dit le suivant. Mais si notre injustice, cela veut dire, l'injustice que je commets, sans vouloir, je commets des injustices. N'ayez pas de doute. Lorsque nous avons autorité, nous devons prendre des décisions. Et des fois, nos décisions sont des injustes. Mais pourquoi? Parce que nous sommes des hommes.
Nós somos injustos. Nous sommes injustes. Je n'ai pas de doute. Je reconnais ça. Je commets des injustices. Pas conscient. Je ne commets pas des injustices conscientes. J'ai l'injustice parce que j'ai déjà tant souffert des injustices. Vous pouvez imaginer la haine que nous chargeons contre les injustices. Cependant, nous commettons aussi des injustices. Nous commettons des injustices. N'ayez pas de doute. Nous tous, mais le Saint-Esprit, dirigeant l'apôtre, dit, et si notre injustice établit la justice de Dieu, cela veut dire le suivant, si mon injustice envers vous a été une raison, a été Dieu qui a conduit cette injustice pour que vous puissiez être formé dans la foi, pour que vous puissiez être éprouvé dans la foi, pour que vous puissiez être fort dans la foi. Pour que vous puissiez être fort. Parce que mes ennemis, mes adversaires, dans le cas mes adversaires pendant toutes ces années de l'Église universelle du Royaume de Dieu, dès le début, sont presque 50 ans, demi-siècle, de persécution, d'injustice, de calomnie et toutes sortes de maux que nous avons souffert, juste parce que nous voulions prêcher l'Évangile, que c'est la parole de Dieu, que c'est la lumière du salut. Et qui est le responsable pour toute cette persécution cruelle? C'est le diable. Le diable utilise des personnes. Le diable utilise des personnes pour faire cela, commettre des injustices. Alors, l'apôtre ici dit, enseigne, mais si notre injustice, cela veut dire, on va dire que le diable m'a inspiré pour commettre une injustice. Alors, j'ai commis cette injustice. Sauf que Dieu a profité de cette injustice pour faire la personne qui a été lésée plus forte. Plus forte. Par exemple, j'ai été victime d'injustice, persécuté. Je méritais. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais d'erroné? Dites, je n'ai fait rien d'erroné. Mais j'ai été victime d'injustice. Et Dieu n'a pas permis cette injustice, bien sûr qu'il a permis. Pourquoi? Parce que Dieu profite des injustices que nous souffrons comme un combustible pour notre foi. Parce que lorsque ma fille est née, et voyez bien, elle est née avec les lèvres doubles. Ela, lorsque je l'ai vue, j'ai dit, ce n'est pas possible. Est montée à l'intérieur de moi une révolte. Une grande révolte. J'ai dit, je n'accepte pas ça. Alors pour moi, j'étais en train d'être prouvé, en train de passer. J'étais en train de passer par le tamis du feu. J'étais en train d'être formé dans ma foi. Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Dieu a permis cette injustice. Dieu a permis cette douleur. Dieu a permis cet affrontement de ma foi. Mais grâce à Dieu, parce que à ce moment que je me sentais les ordures, révoltées,
là, j'ai donné un cri d'indépendance parce que nous voudrions faire l'œuvre de Dieu. Nous voudrions prêcher l'évangile. Mais il y avait beaucoup de barrières. Beaucoup de barrières. Des problèmes et des problèmes et des problèmes. Essayant de nous empêcher de tout quitter et partir pour le tout ou rien. Ça passe ou ça casse. C'est oui ou non. Ou Dieu existe ou n'existe pas. S'il existe, il est avec moi, je vais vendre. S'il existe. Ou s'il n'existe pas, je vais m'exploser. Dédéant. Hein. Même chose, je vais savoir. S'il existe, je vais vendre. Alors, cette décision, vous savez, ces derniers moments, ces dernières secondes, que l'individu fait le but, que le gardien faillit et le ballon rentre très bien, ces jours-là. Ce moment, cet instant de la révolte a été le début pour donner le cri d'indépendance et partir pour le tout ou rien. Parce que j'ai senti dans la chair, dans la peau, j'ai senti dans l'âme, j'ai senti dans l'esprit, j'ai senti en tout mon corps, en toute mon essence, dans ma foi, j'ai senti la douleur des personnes de ce monde qui sont en train de souffrir, il n'y a personne pour elles. J'ai senti cette douleur. Et j'ai dit, maintenant je vais tout quitter. Maintenant je vais partir pour le tout ou rien. Maintenant je ne veux rien savoir. Si Esther concorde ou ne concorde pas. Je vais fondre dans ses propos. Et avec la naissance de Viviane, est née l'Église universelle du royaume de Dieu. Comprenez-vous, mon ami, mon ami. Alors Dieu veut faire, vous qui avez été victime d'injustice, même à l'Église, grâce à Dieu. J'étais à l'intérieur de l'Église. J'étais dedans une dénomination. Et toujours, j'entendais un nom de la part des pasteurs, des évêques, disait, ah, cet homme est voluble. Il n'a pas d'appel. Vous n'avez pas d'idée de ce que nous avons passé. Mais grâce à Dieu. Viviane est née avec ses problèmes. Grâce à Dieu. Parce que de là est née une nouvelle créature. Cela veut dire, ici, cette parole vient justement aux rencontres de ce que nous sommes en train de parler. Si notre injustice, c'est l'injustice des hommes, c'est la cause de la justice de Dieu, alors vous, mon ami, mon ami, restez ferme. Restez ferme. C'est comme j'ai dit l'autre jour. Dieu n'utilise pas le fragile qui est élevé avec coton qui est élevé au-dessus en lit très doux. Dieu n'utilise pas. Dieu utilise qui ont eu des expériences dans la boue, qui ont été en train de vivre en enfer dans ce monde. Pour cela, nous priorisons amener l'Évangile aux personnes pauvres, aux personnes exclues de la société, les personnes que personne ne veut. Ces personnes, c'est ce que Dieu veut. Cela s'est écrit. Paul a écrit, le Saint-Esprit, que Dieu a choisi les choses faibles, les choses méprisables, les méprisés. Les méprisables, ceux qui ne sont rien, pour mettre dans la honte ceux qui disent, qui pensent qu'ils sont quelque chose. Alors, l'humiliation, l'injustice que nous avons traversée, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça que vous croyez. En d'autres mots, vous n'avez pas l'habitude. À tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Vraiment, l'injustice vous fortifie.
se não vou fortificar, se vou fuir, alors vous, mas se a injustiça, injustiça que causaram com você, que acusei avec vous, você, uma revolta, causa l'intérêt de vous, une révolte, et vous allez contre elle avec toute votre force, toute votre foi. Là, vous allez voir que l'injustice est une bénédiction dans votre vie. A été une bénédiction. Et est une bénédiction. Parce que toutes les injustices que j'ai souffert ont été une bénédiction dans ma vie. Grâce à Dieu. Pour toutes ces injustices. Parce que ce n'était pas les injustices, je serais une personne si débile. Dieu n'utilise pas. Dieu utilise ceux qui ont été formés dans la fournaise de la foi. La fournaise de la foi. La foi, ce n'est pas bisou, bisou, mon ami, mon ami. La foi n'a rien à voir avec sentiment. Cette tendresse, cette éducation, politesse, rien de cela. La foi a à voir avec être brut. Courage pour parler ce qui doit être parlé. Vous assumez la vérité indépendamment de ce que les autres vont parler ou laisser de parler. Vous assumez le caractère de Dieu. Dans un monde misérable de mensonges, alors vous devez avoir courage pour ça. Vous devez passer par le tamis de la fournaise pour être formé comme a été formé notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a été formé dans l'humiliação, dans la douleur. A été un homme de douleur, de souffrance, d'humiliação. A été cloué sur la croix, nu. Complètement nu. Complètement nu. Alors cette figure qu'ils font de Jésus cloué sur la croix, avec un ange en train de couvrir ses organes intimes, ses mensonges. Il a été cloué nu. Bien sûr que personne ne va placer transparente, porque fica vergonhoso, mas transparente, parce que digamos assim. Honteux. Mas essa foi a realidade. Isso você tem que saber. Ele foi humilhado ao extremo. Mas ela a été la réalité. Vous devez savoir. Il a été humilié à l'extrême, à l'extrême. Então, esse, o nosso líder, o nosso guia, vaincu. O nosso Senhor. Alors, o nosso celui-là, c'est notre leader, notre guide. Notre Seigneur, é o nosso, notre Sauveur, notre Dieu, celui-là est notre tout-puissant, notre omniscient, omniprésent, tout-puissant. Il est grand, mon ami, mon ami. Il est grand pour ceux qui pensent comme lui, pour ceux qui pensent grand, pour ceux qui affrontent l'enfer, mais ne désistent pas de ce que Dieu a placé dans son cœur. Que c'est cette foi puissante, ou meilleur, pas dans son cœur, mais dans sa pensée. La foi, dans sa pensée, dans son intellect. Je crois en ça. Je crois, indépendamment de ce que les personnes disent, pensent concernant moi. Disent que je suis fou, que je suis mégalomaniaque, et je suis méganomaniaque parce que mon Dieu est grand. E celui que vê, doit savoir que vai sofrer des injustices, calomnie, difamação, etc., etc. Vous voyez combien de personnes, parce que quelqu'un publie sur Internet une chose qui est préjudiciable à son image, ces personnes finissent par se tuer, parce que, ah, mon fait, ceci, mon ami, mon ami. Dieu ne peut pas utiliser des personnes comme ça, des personnes qui n'emportent quelque chose. Elle reste au lit et reste en train d'attendre le temps pour la rhume passer. Non, mon ami, mon ami, c'est oui ou non, ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Si vous êtes de Dieu, vous poursuivez ce que vous croyez. Vous poursuivez une vie avec Dieu. Vous poursuivez le sceau du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de faiblesse. L'Esprit de Dieu que vous voulez recevoir, c'est l'esprit de forteresse, de pouvoir. Est l'esprit d'équilibre. Mais l'esprit du Très-Haut, de la victoire. Alléluia. Alors,
dans cette veillée de pyjama que nous aurons le 2 à 3 heures du matin. S'il vous plaît, ne venez pas avec sentiment, ne venez pas comme ça. Se vous croyez, se vous voulez, le Saint-Esprit, poursuivez. Peu importe ce que tel ou tel a parlé, etc. À la doctrine en Église, peu importe. Ce qui est important, c'est ce que vous croyez, ce qui est écrit parce que Dieu a parlé, ce que Dieu a déterminé. Vous croyez? Alors, on va à la recherche. Ne regardez pas aux données des oreilles, aux voix de l'enfer, parce que l'enfer utilise le monde, utilise les personnes, a utilisé Pierre pour arriver à Jésus et dire non, Seigneur. Ne va pas là-bas. Ne laisse pas arriver ça. Et Jésus a dit à Pierre, regarde Pierre, en arrière de moi, Satan, parce que tu n'as pas le pensée de Dieu, mais des hommes. C'est cela même, mon ami. Soyez fort. Vous êtes fort. Vous êtes femme, vous êtes fort. La Bible dit que la femme sage édifie la maison. La femme avec la sagesse édifie sa maison. Está pautada mais em cima la folle, la stupide, avec ses propres mãos, edifica a casa. La renverse. Ela é fraca, alors la famille é basée au-dessus de la femme. C'est elle qui construit la maison, edifie la maison. Ela é faible, ela n'est pas faible. Ai de mim se não tivesse uma faible aucune chose. Malheur à moi si ce n'était pas Esther pour prendre soin de Viviane, Christiane, des problèmes à la maison. Malheur à moi si je n'avais pas une compagne vraie. Vraie. Une femme. Je ne dirais pas une femme mâle, non. C'est une femme femelle vraiment forte. Au contraire, n'aurait pas d'église universelle. N'aurait pas. Et Dieu a placé la personne correcte. Mon ami, pensez à ça. Vous êtes en train d'être humilié. Ne pleurez pas. Vous voulez quoi? Des mouchoirs. Vous voulez consolation, confort. Si le Saint-Esprit ne vous conforte pas, aucun confort va résoudre votre problème. Oui ou non? Qui pourrait me réconforter à ce moment de douleur? Personne. Au contraire, le Saint-Esprit m'a poussé. Ah, va fond, parce que je suis avec toi. Et j'ai accepté. C'est ou rien, c'est oui ou non. Que Dieu bénisse tous. Je ne vais parler rien de plus, parce que demain, nous allons parler plus. Le 2, à 3 heures du matin, le premier lundi de septembre, à 3 heures du matin, nous serons dans la veillée de pyjama, en pyjama, parce que les personnes n'ont pas besoin de sortir de la maison. Où qu'elles soient, elles peuvent participer. Il sera transmis de la même façon comme l'autre fois. Tous les médias de l'Église universelle, Royaume de Dieu. Et d'ailleurs, en quelques églises, je ne dis pas en toutes, mais il y aura cette veille pendant la nuit. Et celui qui veut participer, soyez le bienvenu. Celui qui ne veut pas, patience. Que Dieu bénisse. Reste ici la porte ouverte pour celui qui veut. Que Dieu bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu.